Bonjour tout le monde, nous revoici sur Don't Starve, épisode 28, si je me trompe pas. Alors, déjà, on va se sécher. On va forcément avoir des ombres qui vont nous tomber dessus, mais bon. On va essayer de les gérer tant qu'on peut. Il arrêtait de pleuvoir, j'hésite pas une seule seconde. On se sèche, on va avoir une ombre. Donc, alors. Deux, trois petites choses, hein. Entre deux, je regarde ma santé mentale, mais voilà, quoi. 12, on va être à 0, quoi. Les dodos. Les dodos, faut gérer les dodos assez vite. Mais pour deux raisons. Pour deux raisons, c'est que mon piège que j'ai fait en dessous là, qu'on ne voit pas malheureusement, hein, ça devrait s'afficher les murs. Un peu dommage. Ah bah si, on voit les pièges, donc on voit à peu près où il est. Il est trop près de mes dodos. On a vu, en fait, on a eu un spawn de chiens dans le camp des dodos, et là certainement pas, hein, erreur, faute. Donc il faut remédier à ça. Et pour ça, j'ai envie d'agrandir leur camp aux dodos, hein. L'agrandir mais plus vers le haut. Ça, on réduit un peu vers le bas et on espère, quoi. On croise les doigts. Bon, c'est bon. C'est bon, mais les ombres ne veulent pas m'attaquer. Bizarrement. Il me reste un bonbon, mais j'ai pas envie de le prendre, hein. Bon, admettons. Admettons, je prends ça, je prends ça. Ah, ça y est. Bon, alors avec mes 57 points de vie, peut-être un peu risqué de faire ça sans protection. Tant qu'il y en a qu'une, on va dire que c'est bon. Non, non, mais arrête. Arrête tout de suite tes conneries. Voilà. Maintenant. On se fait à manger, accessoirement, parce qu'on va avoir faim. Et en même temps, je me suis fait des bâtonnets pour remonter mes points de vie. Ça sera toujours ça de prix. Est-ce qu'on se refait un truc vite fait? On se refait des boulettes parce que c'est pas très nourrissant les bâtonnets. Hop, on recharge ça. Bon alors j'ai les 10 planches mais on va les ranger pour l'instant, on va pas faire le sol tout de suite. Il faut que j'augmente ah merde. J'avais les feuilles de palmier justement pour les claquer au feu, mais je viens de les ranger. Bon, j'ai envie de faire plein de trucs, hein, mais il faut que j'agrandisse d'abord. Mais agrandir, ça fait chier parce qu'il me faut des matériaux que je n'ai pas. Donc on va attendre. On va attendre pour ces dodos. En même temps, il me faut un peu de bambou, j'en ai un peu là. Et on va retourner là. Parce que oui, deux, trois petites choses, je l'ai dit vite fait. C'est que on m'a dit, ouais, peut-être les singes. Et c'est vrai, j'en avais parlé vite fait en fait, j'avais omis l'hypothèse, émis l'hypothèse que peut-être un singe, une petite salope de singe, aurait piqué la clé de Nakanoï. Et du coup, à Nakanoï, il sait plus là, il sait plus, il est paumé, peut-être pour ça. Parce qu'apparemment, bon, on m'a confirmé que oui,
quand Nakanoï crève, mais je l'ai déjà vécu ça. Quand Nakanoï crève, il n'est pas perdu à jamais, non, il repop. Mais d'habitude, il crève, j'ai la clé dans la poche et il revient vers moi automatiquement. Donc ça, je sais, mais là, le délire est un peu différent. Bon, on dort, mais c'est une connerie. Hein, ça va. J'avais peur que ça foute en l'air ma tente, mais c'est bon. Alors, ce moustique, hein, ce moustique qui virevolte, ça me fait penser que... Ouais, il faut sortir l'armure. Mais viens. J'ai dit, il est où mon sac à dos, mais c'est le... C'est vrai que c'est un coffre. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire des pièges. On va essayer d'optimiser quand même. Disons que... On n'aura pas... ce sera pas safe pour les dodos. Mais... que ce piège fonctionne. Hein. Il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut du bois et des cordes. Ok. Et alors là, j'ai envie de dire, on a envie de cobblestone. J'avais rien amassé, moi. Je me suis barré comme un voleur. Bon, clairement, ouais, cet épisode va se résumer à aller ici, voir un peu tuer tous les singes au cas où, et peut-être venir ici pour rechoper de la pierre. Et comme ça, je fais un camp en pierre hein, pour les dodos, on s'emmerde plus. Hein. C'est chier. Alors. On va se faire quelques cordes. Avec 14. On devrait être peinard. Ça va déjà faire un bon stock. En revanche, ça va être le bordel. Donc il faut que j'en fasse hop 3, je les pose. La foudre, faudrait y penser. Va falloir que je mette des paratonnerres partout sur mon île. Oh non mais... Allez, viens ici, toi, là aussi. Il donne rien, salaud. Hop. Non, non, arrête, arrête-toi. Bon, le truc de ces pièges, c'est que justement, on peut les poser quasiment superposés. On peut vraiment en mettre plein. Hein. Énormément. Mais bon, faut les faire, quoi. Bon, et après, ma technique du on tourne et les chiens s'en prennent plein le cul, c'est bien, mais après, il faut tout réactiver les pièges. Et ça, et ramasser les viandes et les dents qui sont entre chaque piège, et là, c'est tout de suite beaucoup moins marrant. Bon, faut que je pense à ce nid, hein, vite, hein, mais... ouais voilà, je suis allé chercher les 4 pièges qui étaient là-bas après tout. C'est ici hein, c'est ici qu'on veut des pièges. Tout doucement hein, mais c'est quand même là les 15 dents que j'ai sur moi ne suffiront pas. Je pensais vraiment que 30 pièges ça serait bon mais non, on voit. C'est un bon début. Ouais, vous me voyez arriver. J'ai pris les planches. Bon là en l'occurrence ça servira à rien parce que la flotte est déjà dessus mais...
C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Bon, soit. On va perdre du temps avec ces moustiques, hein, forcément. Et bon, c'est... qu'est-ce que... Il est où ? Je suis en train de le chercher, ce coffre. Accessoirement, il faut manger. On va aller voir les... On va aller voir les fermes à miel. Je cuis tout. En niveau ressources, ouais, ok. Bon, je devrais replanter hein, les noix de coco pour me faire des palmiers, mais je l'ai dit, hein, je veux pas. Je veux d'abord que. Me faire popper des arbres. Des hentes. Et du coup. Du coup, on va attendre un peu. Je suis ralenti à cause de cette flotte. Hein. Du coup, je l'ai pris. 69 points de vie, je le vis bien. 39 points de vie. Ah, 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 19 points de vie, putain, je vais mourir par mes abeilles, mes propres abeilles. Ah, le connard. C'est bon, hein. Pfff. Quelle connerie, ce truc, hein. Alors. Ah, non, non. Moustique. Il est où? Ramasse la bouteille, ça sert à rien qu'elle tourne. Je sais pas où il est ce moustique, mais en même temps, mon camp est safe. Hein, j'ai pas à m'inquiéter, normalement il n'y a pas d'eau. Alors. Ce que je voulais faire, je voulais me faire encore un peu de noix de coco, je vais les utiliser plus que j'aurais voulu, mais bon, j'en aurai encore 20, c'est bon. ...15% mon casque de vitesse, je vais faire un coup de réparation. Ça m'emmerde parce que j'ai plus de kit et bon, jusque là tout va bien. Alors des araignées, non, non, on a dit on va aller là, on va aller là. Niveau bouffe, ouais, il faut que je me nourrisse. Il est où ce moustique là que j'entends? Eh, hey, juste là. Ah merde, t'as la machette. Bon, ça fait le boulot à la machette, mais... C'est un tel bordel. J'aurais dû faire des coffres avec mes planches. Perds pas de temps. Hein. Il faut que je les utilise hein, parce que c'est en train de pourrir un peu là. On a encore un peu de temps hein, logiquement, mais
Quand on les cuit, ça redonne un petit peu de fraîcheur. Et voilà, il est pas à fond, on le voit. On va pas faire le con. On se remet un peu de points de vie quand même. Ça y est, ça baisse déjà, mais vous allez être trop nombreux, je le sens. Je le sens que ça va être la merde. On va voir. Ça va encore. Ça a l'air de tenir. Allez, on range ça. Ensuite, les feuilles de palmier, on peut les ranger. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Le chapeau. Alors, le chapeau, limite, je le laisse là, comme ça, en plein milieu. On s'en fout. Normalement, ça vole pas. Et comme ça, j'y pense hein, quand je reviens à mon camp, tac, je le mets sur ma tête. Mais non! Je voulais mettre mon chapeau, pas manger le bonbon, quel con! Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on l'aurait mangé un moment, mais... Bon, le bateau. Le bateau est là. Oh, quoique, on s'en fout. On s'en fout parce que... Ah, mais non. Si, c'est bon. Mais... Ah, mais non, le radeau, je peux pas l'atteindre. Merde. Ça, c'est fort dommage. Allez, on va passer en furtif, mais on va peut-être réparer un coup le bateau. La confiance. Ah ouais, mais j'ai pas pris de lance-patate, je suis pas prêt de tuer des... J'en ai un, mais... Je suis pas prêt de les tuer, les singes. Bon, il y a 100% le lance-patate, ça va le faire. Alors, je devrais peut-être m'équiper de mon chapeau pluie. Enfin, surtout qu'il repleut, donc ouais. Ça a du sens. Ah merde, ma santé mentale, j'avais oublié que ces connards, ils me... Ah, j'ai remonté ma santé mentale et pour la redescendre direct. Ah, ça, c'est vraiment pas malin. Bon, y avait quoi? Y avait rien. Ils sont plus nombreux que j'aurais cru. Non, non, mais arrêtez. Ah ouais, bien. Des doublons. Ça, je m'en fous. Pourriture, ouais, pourquoi pas. Non, mais le moustique. Mais, dégagez. Non! Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu arriver, il y a trop de monde. Bon. On a marre. Ah, mais c'est bon, je suis empoisonné, arrêtez maintenant. On voit rien dans ce bordel, là. Alors, mange un bonbon. Alors, tac. Alors, les peaux de serpent, on s'en fout un peu. On va se faire un coup de soin. J'ai dit, on se fait un coup de soin. Bon, est-ce qu'il reste des singes?
On va rester encore un peu, hein, le poison, on va le gérer. On a des antipoisons dans le... Dans le coffre à côté. C'est juste que ça fait descendre encore plus vite ma santé mentale, du coup... Est-ce le bon plan? C'est pas sûr. Et il coupe du bambou. Ah bah ouais, bah parfait, hein, comme d'habitude. La foudre hein, qui tombe sur mon nez. Bah devant mon nez, hein. J'ai la chance que ça tombe pas sur moi déjà. Ah. Encore un espoir. Ah mais qu'est-ce qu'ils ont les serpents là? Ah non, c'est parce qu'il y avait la viande. Ils étaient au taquet par rapport à la viande, je savais pas ce... Bah je savais pas. Si je savais en fait, mais ça m'était sorti de l'esprit tout simplement. Là pour voir les singes aussi, mes couilles quoi. Quel rapport, vous me direz? Non, aucun, mais... Ah, mais si! Si, si, c'est bon. Il y a agression entre singes et serpents, allez-y. Ouais, allez-y, mais en fait... Voilà. Non, mais de toute façon, je suis déjà empoisonné, donc viens. Alors le singe a succombé. Semble bien, hein, le singe a succombé. Du coup, je suis un peu triste. J'avais un espoir. Non mais... Ah, je peux taper avec ma bouteille, mais c'est une connerie. C'est une connerie. Hé! Alors ça, oui. Ah ouais, mais je suis dans le noir. Faut être solide. Mais chope! Putain, je vais pas réussir. Mais bien sûr, je vais jamais réussir. Et merde! Ça fout là, ça. Mais arrête. Allez, santé mentale. Bon, je refais un petit tour au cas où c'était la nuit, j'ai pas vu un singe. On sait jamais. Je crois que bon. Je crois qu'il n'y a plus de singes ici. Il y a encore du bambou, alors pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais j'ai mangé une pourriture. Je voulais juste m'équiper, moi. Ça va, ça va. Donc les singes, je pense que c'est mort. Hein. C'est pas eux. C'est pas eux qui ont mon n'a qu'un œil. Ah bah j'aurais essayé. Hein. Alors. Fais ça. Arrête, arrête. Voilà, arrêtez. Hop. Ça pour remettre le radeau au bord hein, de l'autre côté. Ici ça se porte bien. On a les pièges. J'ai pris un peu de bambou au passage. Allez viens. Viens, viens. J'ai pris un petit truc là.
Rail de coke, un café, paf. C'est vrai, hein, là, c'est plus le rail de coke que le café, là, quand même. Ah ouais, c'est vrai qu'à un moment, il faudrait que je me soigne de ce poison. Je suis là, je me balade, comme si de rien n'était. Ouais, non, ils n'en finissent plus. Non, mais va-t'en, toi. Voilà. Mais non, mais arrête, toi aussi. Mais viens, 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 viens. Viens. Viens ici. Saloperie. Voilà. Déjà la santé mentale, ça sera bien mieux. Ensuite, on se refait un petit coup de soin, parce qu'on peut se le permettre. Chapeau de la chance, on sait plus hein, maintenant. Bon, première étape accomplie. Alors, peut-être aller chercher de quoi miner. Ça m'emmerde, en fait. Hein. Ça m'emmerde d'aller miner, en fait. Hein, tout simplement. Mais il me faut de la pierre. J'en ai plus que 5. Des bouches, j'en ai quelque part. Oui, on va mettre les pourritures avec. Pourquoi pas. C'est rebelote, hein, voilà. On n'en finira jamais. Ah, alors ça, en revanche, c'est fort gênant. J'ai une batte, hein, mais mon épée, quoi. Va falloir naviguer de nouveau. Parti. Hop. Bon, il me faut du melon, je l'ai dit. J'aurais dû déterrer tout de suite et replanter. Et après, bon, on essaiera la technique de donner à l'oiseau pour qu'il nous donne des graines de melon et plus de fermes. Maintenant que je suis sous speed, je peux peut-être aller voir les fermes, ouais, reprendre un peu de miel. Ah merde, j'ai pas de place. Alors ça c'est bien con. Ça c'est bien con parce que tout le miel par terre. Il est où le moustique là? Il m'emmerde. Ça m'emmerde ces bruits de moustique. Ouais, j'ai fini le café. Faut quand même y aller. Je vais perdre des points de vie. Hein. C'est beau. Hein. Oui, celui-là, on va le laisser, tant pis. Bon, impérativement, bien sûr, il me faut remonter ma santé mentale. Donc on va essayer de fighter une ombre, hein, on va espérer qu'il y en ait une qui vienne. Après on va dormir et on va se refaire 3 bonbons, un cache. Mais là forcément ma tante elle va pas résister à ce dodo. Ah mais j'ai... Eh non mais attention, j'ai mes 3 grosses viandes séchées. Sont déjà prêtes. Alors du coup c'est tentant ça. Mais non mais arrête toi. Ouais, forcément que tu te barres. Hein. Oh mais on sait plus quoi en foutre de tes trucs là. Hop. Ça me permet de me soigner. Hein. Vu tout à l'heure. Hein. Paf, paf. Quoi déjà, santé mentale là? Ah merde.
Non, 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 le moustique, non. À la lampe. J'ai même pas peur, à la lampe. Il va jamais mourir. C'est bon. Bon, c'est ça que je voulais faire. Accessoirement. Ah, mais tu m'emmerdes, je vais mourir. Trop de trucs. Hein. Pas le temps, là, à cause de cette santé mentale. Ça faisait longtemps hein, qu'on j'avais pas été comme ça dans la galère. Bon, elle est où? Elle est où? Viens. Ouais, n'a qu'un œil aussi, hein. N'a qu'un œil qui est pas là, c'est un bordel. Hein. Je suis en galère de place. Hein. Bon, mets ça. Fais-nous un peu de lumière, là, parce que c'est un peu pauvre. C'est pas du tout là. Non, mais encore l'ombre. Effectivement. Elle est où? Il faut que tu meurs tout de suite là. Voilà, parfait. La tente. Ok. Ouais, ici. Ok, on est revenu à peu près correct. Maintenant, on range un peu le bordel. Et qu'est-ce qu'on voulait faire? Je voulais aller chercher une pot du bois. Vraiment pour dire. De où? Bien sûr. Mais bien sûr. Mais j'ai rien demandé, moi. J'ai rien demandé, abeille. Lâche-moi, quoi. Non, mais tu vas pas me lâcher de toute façon. Lâche-moi. Ah, je sais pas. Hein. J'ai du miel au cul, hein, c'est pas possible autrement. Je vais avoir un petit peu de bambou, on n'en fera pas grand chose, mais pourquoi pas faire des murs pour les dodos. On va essayer de faire ça. Il me faut un peu de bois, je l'ai dit. Il faudrait que je pense, mais ça fait chier, il me faut des toiles encore. Faut que je pense à un piège à oiseaux, parce que j'aimerais bien ramener un oiseau pour... Ah, ouais, ouais, je ferais peut-être le coup de prendre l'oiseau qui est dans ma cage pour la saison... pour la saison volcanique. Pour mettre dans les sous-sols, hein, dans mon volcan. C'est pas les sous-sols, c'est le volcan, mais... Non mais voilà, depuis tout à l'heure tu voles à côté de moi, abeille, là tu m'emmerdes. Allez viens. Du bambou, il y en a encore un peu ici. Tac, 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 tac. Peut-être que pendant que je serai dans le volcan, il faudrait que je passe aux outils en obsidienne. J'en ai quelque part de l'obsidienne en plus. J'en ai dans un coffre, non? Ouais, non, mais va-t'en avec ton gros dard. Va-t'en. Bon, à l'origine, je voulais un peu de pierre aussi. Hein.
Alors, nous revoici au camp. Ça pousse, hein, ça pousse à une vitesse, les légumes, là. Je vais pas avoir assez avec mes deux coffres. Bah, mes deux coffres, mes deux frigos. Vous avez compris. Alors, à un moment, j'avais pas pelleté du sable. Je l'ai rangé ou pas le sable? J'ai jamais rangé en fait. Je l'ai posé au sol et puis c'est tout. Il n'y avait pas grand chose, mais. Qu'est-ce que. Purple Gem. C'est beau. Non, en fait, c'est pas du tout ça que tu dois mettre. Elle est où mon armure? J'ai eu peur. J'ai eu peur, je crois que j'ai laissé mon armure quelque part, c'est pas impossible, hein, quand je m'en équipe, je la bah, que je m'en enlève, tout ceci, tout cela, des manipulations un peu baisantes. Ah, mais j'ai jamais assez de sable. Bon, alors, le prochain objectif, un petit objectif que je vais me poser, c'est pour me prémunir de cette... de cette pluie, bah de surtout en fait de des flaques. Je vais recouvrir cette île de cobblestone pour le prochain épisode, bien sûr. Ça va me prendre un petit peu de temps. Mais ça m'emmerde ces flaques partout là. Ça m'emmerde. Pourquoi? On a un petit coin tranquille. Hein, je me plains, mais des fois on est vraiment dans la baise. Ah mais en revanche ça monte là. Ça monte chez moi là. Ça va pas du tout ça. Bon ça va, on est encore tranquille hein, logiquement. Même si ça monte un peu dans le camp, ça se passe encore très bien. Bon alors, j'ai pris ça tout simplement pour faire des sacs de sable. Alors allons-y. Hop. Après les sacs de sable... c'est deux fois la taille d'un mur classique, donc c'est bien en fait. Hein. Ah non, mais toi non. Je voulais me refaire la bouteille. Il va m'emmerder, il est là, il va m'emmerder clairement. Il va pas me lâcher. Alors, paf. La machette, la machette. Après tout, hein. Mais c'est barré, c'est ça? Ah non, il s'était endormi, je sais pas quoi. J'ai une petite sieste, bah non, mon gars. Mais la machette, pourquoi ça pourrait pas être une arme, la machette? Bon, admettons. Admettons, je mets ça ici. J'ai fait que ça en sac de sable? J'en ai fait plein, on aurait dit. J'en ai... Attendez, j'en ai mis 3 et 3, 6, 7, 8. J'en ai pas fait que 8 quand même. Oh, c'est la baise. Oh, merde. Alors, petit détail. Hein, petit détail, ce personnage, la santé mentale. Et du coup, quand il pleut, toujours avoir son chapeau. Sinon après on est trempé et la santé mentale c'est la baise. Comme en ce moment, bon c'était vraiment pour vous faire voir hein, bien sûr. Oh le con. Mets ça et bah ouais les ombres, on va se faire agresser par des ombres constamment, mais non mais mets pas le bois enfin. Panique. Alors ça ok.
qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, c'est ça que je voulais faire. Ah bien. L'ombre a disparu. Et ça m'arrange, hein, parce que... On a le truc de sieste, hein, quand même. Je pourrais limite faire une sieste. Mais la journée commence à peine, hein, donc c'est pas le moment de faire une sieste, hein, pas du tout. Hein. Faut pas déconner de ce côté-là. Poum poum poum, allez mange ça. Faudrait que je me fasse plus de plans en avance. Oh mais ça se stack par 20 aussi, c'est la merde. Ah ouais mais c'est... Ah mais non, il y en a là du sac de sable. Je me disais aussi, j'en ai fait plus. Hein. Bon, j'en ai que 4 de plus, mais... quand même, quoi. Je vais essayer de leur faire un truc pas trop dégueulasse quand même. Assez grand. Hein. Voilà, on va le fermer ici. Et on fermera là-bas, ça fera un L un peu leur camp. On... Ça sera mignon. Bon alors encore du bambou. Et là j'ai chopé. Donc ça repousse, hein, faut attendre un peu. Et où est-ce qu'on pourra aller? On serait peinard. Peut-être là. Peut-être là, là il y a du singe, ça m'emmerde. Ah! Ah là! Ah ouais, là ça peut être bien. Mais ça ne résout pas mon problème de santé mentale. Et c'est peut-être ça la solution. Hein. Faut peut-être que je commence à naviguer un peu. Et arrêter de me chier dessus. Constamment. Bon, elles sont mes viandes de monstre. Elles sont là. Hop. Hop. Ah ouais, mais les viandes de monstre, ça part une vitesse là. Faut que je fasse attention à ça. J'ai un œuf. Alors voilà. Encore une fois, j'allais le dire. Je vais affronter. Ah mais non, mais arrête toi. Mais arrête enfin. J'ai bien fait de mettre pas de protection. Hein. Je vais affronter une ombre, voilà. J'allais dire, je vais affronter une ombre au chapeau de pirate, mais j'ai pris un coup, je me suis ravisé, j'ai dit, non, c'est une connerie. Non, mais pas deux. Bon, deux, mais du coup, je vais sortir une batte. Hein. Il y en a une qui est bientôt morte, on sait pas laquelle, mais ouais, voilà. Viens ici. Ouais, elle s'est barrée, forcément. Alors, on voulait faire la grande cuisine. Mais j'ai mis ça et j'ai jamais cuit mon... Mon bonbon. C'est beau. Hop. Et on a plein de trucs ici. Dragon fruit, on va pouvoir faire quelque chose avec. Et je me posais la question justement dernièrement, alors si vous savez, dites-moi. Est-ce qu'il y a des plats spécifiques aux sweet potatoes? Voilà, patates douces. Parce qu'en fait, depuis Shipwrecked, ce nouveau légume est apparu, en fait, j'ai jamais trouvé de plat associé. Un plat, voilà, à la patate douce, quoi. J'ai toujours trouvé ça comme un peu l'équivalent de la carotte, mais il y a peut-être un plat exprès pour ça, quoi. Bah, exprès avec ce genre d'ingrédients. Non! Eh ben ouais! Et merde! Je voulais siester, moi! Je voulais siester, alors du coup. Ah, il m'en faut. Je sais plus combien il m'en faut. Pour faire ma tente. 8 à tous les coups. Ah non, 6, c'est bon.
Ok, mais après plus de toile quoi. Bon alors j'ai regardé aussi. Bah, je me suis rendu compte aussi d'un autre truc. Et les chiens. Merde, je peux pas poser ma tente. Effectivement, les chiens, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec moi, mais... Hey, ah, parfait, direct, hein, dans leurs pattes. Hein. Je les ai pas vus venir. On va descendre au maximum pour pas que ça pop dans les... On va espérer. On va mettre le chapeau anti-pluie parce qu'on a les pieds dans l'eau. Et galère, hein. Il faut que je prenne un truc comme ça. Ah merde, j'ai pas assez de points de vie. Hein. Et on va... Ah putain, j'ai pas d'armure non plus. Bon bah, j'ai une armure mais... Contre le poison et l'ombre. Hein. Ah l'ombre, elle s'en tape hein, des pièges en revanche. Hein. J'ai mis une protection, j'ai pas mis de protection. Il l'a fait. Et il court comme un dératé. Et il repasse dans les pièges. Alors en esquivant... Non, non, j'ai rien esquivé du tout. J'ai tout pris dans la gueule. Est-ce qu'il y a assez de pièges pour les buter au moins? Faudrait peut-être que je tape en fait. J'en tape un ou deux. Mes points de vie. L'ombre. Eux, ils sont occupés avec les moustiques, c'est pas si mal. Ouais, bah voilà, viens dans les pièges, c'est parfait, ils viennent manger les viandes. Ah, bon, de toute façon, au niveau santé mentale, on est à zéro, c'est bon. Y'a plus de quoi s'inquiéter. Là-bas, j'allais dire mon humidité. Ils sont bien ces chiens, je devrais en avoir des apprivoisés aussi, ça. Ça chasse les moustiques. Ah, viens toi. Et viens, arrête. Bon voilà, le plan a marché, hein, le plan a marché. On va falloir réactiver tous ces pièges, bien sûr. Mais pff, je suis dans une galère. Mais arrête. Ouais, je suis en train de me tremper, hein, c'est une connerie ça aussi. Mais là, ça c'est encore plus une connerie. Ouais, il fait nuit. Alors, on va se claquer à côté du feu. Ouf, la vache. Agression des mains et tout direct. Mon feu. Le poison. C'est pas dans ce coffre. Mais non, mais j'ai pas eu le temps de le prendre, bande de salauds, 25 points de vie. Allez crever en enfer. Mais ma batte est déjà à 60%. Il faut que je navigue, il va falloir que je navigue vraiment pour retrouver un espadon et pour que ma santé mentale voilà, diminue moins. Et là forcément j'ai été trempé, j'ai été empoisonné, tout. Mais non, mais c'est tout enfin les ombres. C'est tout. Il suffit. T'es où? Si je me fais empoisonner par un moustique, j'ai encore des trucs anti-poison, mais il faut aller rechercher des algues maintenant. Hein. Va falloir que j'en fasse en avance aussi, ça. Dors. C'était le moment idéal. Parfait. Tu manges un bonbon direct, tu cherches même pas. Bah le soin du coup je peux les ranger, c'est parfait. Et la torche que je traîne ça je sais pas depuis combien de temps. On va larguer celle-là. On va remanger un bonbon. Et les dodos, hein. Les dodos ils sont plus que 4. Forcément ça s'est barré, ils étaient trop nombreux. Et merde. Ah non mais ces dodos. Bon ça va, il en reste 4 donc on s'en fout. Au pire on en perd quoi. C'est parce que c'est des grosses viandes, hein, toujours. Hein. Le café, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai oublié. Le miel dégueule. Le doublon. Puis tout. Mais ouais, mais... Tout est trop dangereux, là. Tout est trop dangereux. Bon, allez. Pour finir cet épisode...
Faudrait que je me fasse un manger aussi. C'est vrai que j'ai un truc comme ça. Oh non, mais je mange ça et hop. Rien à foutre. On va laisser ça dans le frigo, on verra pour la prochaine fois. Alors, mets ton chapeau. C'est pour ça, ouais, ok. C'est pour ça que ça m'emmerde en fait d'avoir pété mon kit de réparation pour les habits, parce que je voudrais l'utiliser pour ce chapeau. Ce chapeau parapluie. Bon, alors, normalement, j'ai de quoi en refaire un, si je dis pas de conneries. C'est de la peau de requin, du gros requin là. Et c'est encore la saison pour aller en tuer un, vraiment, si on veut quoi, mais je pense pas. Bon, le côté positif là, de ces attaques de chiens incessantes, c'est que du coup on se refait en viande. Parce qu'il y en a plein partout. Et en fait, et du coup, là, plein de pièges. Et à un moment, ils vont comprendre qu'il faut arrêter de me casser, hein, les bonbons. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas déjà d'où ils viennent, ces chiens. Et après, deuxièmement, s'il y a un chef qui contrôle ces chiens à distance. Y a pas compris qu'à un moment, voilà, c'était la baisse de me les envoyer. Parce que là, le piège a fonctionné, mais il est loin d'être optimum. Hein. Bah, le but, c'est d'en avoir le double. Hein. J'aurais pu le coller au camp, hein, certains diront. Mais en fait, je l'ai pas fait pour une raison, c'est que j'ai peur des chiens de feu. C'est vite la merde. Hein. Mais non, mais quoi? Ah voilà, voilà, on a ce problème que des fois on... Hein? Merde. J'avais pas un paratonnerre pas si loin? Voilà, des fois on ramasse des pièges et c'est chiant à la place de ce qu'on voulait ramasser, mais voilà. Dans l'idée... Hop, tout est remis. Il y a un pourcentage à ces pièges, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais voilà, chaque activation, c'est 10% d'enlever, c'est bon. Ah, mais c'est pas possible, j'ai jamais de place. Et quoi? Ah, c'est encore une ombre. J'ai un tel bordel sur moi aussi. Bon, alors je suis désolé, hein, je suis désolé, je pensais vraiment faire beaucoup plus de cet épisode, mais on est un peu tourné en rond. Il y a des ombres partout. Mais bon, vous avez vu, hein, je fais de mon mieux. Ah, un melon! Un melon, alors, on tente, hein. Je le donne à l'oiseau. Et il me chie deux graines. Non, non, mais dégage-toi. Ah, c'est pas possible. Donc il m'a donné une graine de melon. Joie. Mais la deuxième graine, c'est une graine normale. Donc dans l'affaire, j'ai gagné une graine. Voilà, j'en ai mis une, il m'en a redonné deux. Mais vous comprenez l'idée en fait. C'est que là, je replante ma graine de melon en étant sûr que je vais avoir un melon, mais... Alors si je lui donne la graine de melon, il me baise. Hein. Il me baise. Non, il m'en redonne une, c'est tout quoi. Donc je la plante et on espère que la prochaine fois, il m'en redonne une en fait. Il m'en donne deux à la place d'une. Mais à chaque fois on fera ça, tant qu'on n'a pas un stock conséquent et qu'on peut faire tourner du melon à gogo. Patate douce. Je vais jamais en finir de cet épisode. Bon. Alors ça, et disons avec un truc de popcorn, je vais faire du popcorn. À quoi que, si j'arrive à faire du popcorn, et ouais, il doit, et y a, je pense qu'il y a moyen de faire du popcorn, ça se trouve, en santé mentale, ça redonne bien aussi, ça. Faut que je teste des trucs. Que j'ai des plats, que j'arrive à faire que des plats quasiment qui redonnent de la santé mentale, ce serait génial, quoi. Bon. Bon, on s'est remis à peu près bien. J'ai fait mon test tout de même de n'a qu'un oeil, mais j'ai l'impression que c'est mort. Faudrait que je. Voilà, faudrait que je prenne un peu le temps et que je regarde comme ça au cas où si ça. Mais j'ai encore des zones noires, donc même si ça a dérivé, c'est peut-être la baisse, c'est peut-être planqué.
Mais ça m'emmerde, clairement ça m'emmerde. Mais donc pour le prochain épisode, je pense qu'on va chercher du bambou, hein. Je préfère quand même faire des. C'est plus classe, hein, des sacs de sable, c'est. Voilà, c'est thématique par rapport au jeu, quoi. Il me faut une île à bambou peinard, quoi. Ah, celle-ci! Il n'y a pas énormément de bambou, mais il y a. Si, celle-ci et celle-ci. Alors, non loin du volcan, mais c'est bien parce qu'on a du pas de singe, justement. Et des araignées. Qu'on pourra se refaire des toiles qui nous manquent et les bambous. On va essayer de faire ça pour le prochain épisode, hein, je promets rien, mais voilà quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, salut!